En Chine, le quatrième typhon de l'année est arrivé tôt à Shenzhen, dans la province du Guangdong. Des mesures préventives ont été mises en place dans la région en vue de l'arrivée du typhon Nida. Moins de 24 heures avant l'arrivée du typhon Nida, les ports de la ville de Zhuhai rappellent les navires pour qu'ils puissent être mis en sécurité. Les touristes qui visitent les îles au large de la ville reviennent aussi sur la côte. Nous avons évacué 6 000 personnes des îles qui étaient hier et 600 autres touristes seront évacués aujourd'hui. Dans les autres villes portuaires situées non loin de là, les passagers doivent prendre leur mal en patience puisque le service de traversier est suspendu depuis lundi après-midi en raison de la menace du typhon Nida. J'ai acheté un billet pour Hong Kong pour 19 h, mais il a été annulé. Je dois prendre un bus et cela me prendra beaucoup plus de temps. Situées non loin de là, des travailleurs retirent les enseignes qui pourraient être potentiellement dangereuses. Nous enlevons les grandes enseignes. Celles qui ne peuvent être enlevées vont simplement être consolidées. Environ 1 millier de travailleurs ont été déployés à travers la ville pour surveiller les lignes électriques et se tiennent prêts à répondre aux urgences.